assiette à droite, mais j'ai l'impression d'avoir un verre de terre dans les mains. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori princesse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est habillés pareil avec Rumi. Regarde. Ouh. Et on s'est coiffé pareil et on s'est maquillé pareil aussi. Oh, ça n'arrive jamais. Mais bon, c'était exceptionnel. Hey. Aujourd'hui, on voulait faire une vidéo à thème avec des choses dans les catégories princesse, château, jolie, rose, mignon, chichi, pompon. T'es d'accord pour les chichi, pompon? Ok, et ben c'est parti. Et on va commencer tout de suite cette vidéo par le principal, c'est-à-dire les robes de princesse que m'ont envoyé le site Ever Pretty. Alors ce qui est super avec le site Ever Pretty, c'est qu'ils ont les modèles des adultes, mais aussi pour les enfants. Pour les enfants! Et donc ils ont plein de modèles assortis mère-fille, c'est quand même drôlement mignon. Et avec Romy, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit défilé mère-fille de robes de princesse. On pourrait la prendre. Quelle petite fête? Ah, pour samedi soir, ouais. Alors samedi soir c'est un barbecue entre copains, je pense pas que ce soit adapté. Ça serait plus pour un cocktail, un mariage. Et ouais. Et ouais, et c'est pour ça que c'est notre premier favori du jour. Ensuite, je vous parle de mon favori déco du moment, je l'adore. C'est ce vase que j'ai acheté dans une petite boutique à Caen, rue Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent, pour les canets, qui s'appelle Boutique Corner. C'est le joli vase Apollo. Je sais pas si vous pouvez le retrouver sur internet, pourquoi pas. Il est vraiment magnifique. Et pourquoi dans ses favoris princesses? Bah tout simplement je trouve que c'est une pièce de musée. Il ira très bien dans ma maison qui a quand même un style shabby plutôt ancien. Et bien c'est simple. Oh, ça résonne. Et bien c'est simple, j'ai l'impression de me retrouver au Louvre avec ce vase et avec des fleurs dedans. C'est encore plus joli. Je vous mets une photo ici. Coucou guys, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je peux savoir quelle youtubeuse tu imites? Coucou. Oh, c'est Océane. Oui. Coucou guys. Quoi qu'il en soit, ce vase, je l'ai acheté 39,90€. Je pense que c'est un vase qui peut se retrouver un peu partout parce qu'en ce moment c'est un petit peu la mode de mettre des fleurs dans des sculptures. Romy nous a préparé ses petits favoris aussi, on va en glisser un ou deux vite fait dans la vidéo. Je l'adore. C'est quoi? C'est mon doudou préféré. Un ordino thorynque. Un ordino thorynque. Un ordi thorynque. Un ordi thorynque. Un ornithorynque. Un ornithorynque. Voilà. Il a des gros yeux. Crouc, 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 crouc. Et donc tu l'aimes bien. Alors tu l'as eu pourquoi celui-là? Je sais plus, je crois que je te l'avais acheté en vacances en Bretagne. Oh, ah non, on l'avait acheté à La Rochelle. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et ce favori suivant, c'est un cadeau qui m'a été offert par une amie, une bonne amie à moi. J'ai eu l'immense honneur d'être son témoin pour son mariage. Et en tant que témoin, eh bien écoutez, c'est moi qui ai eu un cadeau de mariage. Alors c'est incroyable quand même cette histoire. Elle m'a offert un magnifique foulard Louis Vuitton. Mais j'arrive pas à le dire. Ah, ça démarre. Un foulard Louis Vuitton, c'est pas dur. Louis Vuitton. Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis. Louis Vuitton. Vuitton. Vous suivez? Allez, je vous le montre. Tada! Donc, j'ai jamais vu ce foulard. Tu l'avais jamais vu? Oui. Mais si, elle me l'a offert le jour du mariage. Moi, je l'ai jamais vu. Ah bah pourtant. 64 boulevard Haussmann à Paris. Petit doudou. Et regardez-moi cette beauté. Hop. Et Romy a disparu. C'est vraiment un grand foulard. On pourrait même limite bah, s'en faire un pareo quoi. On pourrait faire une nappe. Une nappe. Une nappe. Ah non, alors là, mais jamais de la vie parce que déjà, tu sais comment tu manges? Comment? Comme un co. Comme un coche. Chien. Comme un cochon. Comme un cochon. Elle mais a 6 ans. Si.
Et j'ai pas ressorti les vieux bavoirs. Tellement tu manges comme un cochon. En fait, avec un foulard, on peut faire plein de choses. Un top, on peut se mettre dans les cheveux. On peut se mettre autour du cou. On peut faire une écharpe. Oui, regarde. Oh, le beau bébé Vuitton. Bref, magnifique cadeau, magnifique foulard. Mimi à air. Comment ça, Mimi à air? Tu m'avais fait une grosse bouche avec le maquillage rouge à lèvres. Avec le rouge à lèvres. J'avais débordé tout autour et ça faisait une bouche Mimi à air. Bon, moi j'aimerais bien avoir la bouche de Mimi à air. C'est chaud. Alors Romy, quel est ton favori suivant? C'est quoi? Une paire de chaussures de princesse? Oui. Et ça, c'est ton diadème de princesse? Oui. Et voilà une bague de princesse. Oh la jolie petite princesse. Et voilà. Jolie, jolie. On voit la culotte. Tant pis. Comment ça tant pis? Et mes petites chaussures, tout ça, ça va avec. Avec tes petites chaussures, ça va faire sympa. Elles sont oui. Un peu à l'envers, mais bon, du moment que tu te casses pas la figure dans l'escalier. T'aimes. Mon amour. Continue. T'aimes. Favori suivant. Ces magnifiques chaussures de princesse que m'a envoyé le site Vocosi. Ce sont des dupes des chaussures Valentino qui sont très 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 à la mode en ce moment, que toutes les modeuses ont, et notamment des youtubeuses que je regarde et que j'adore qui sont Freddy My Love et Fashion Mumbler. Bien sûr, ce sont des chaussures qui coûtent extrêmement cher. Moi j'ai d'autres projets qui font que j'ai pas envie de mettre ce prix là dans une paire de chaussures. Et quand le site Vocosi m'a contacté, j'ai dit écoutez, oui, je suis d'accord, je prends votre proposition au sérieux. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Pour ces chaussures absolument canonissimes. Et en plus, tout le monde les veut. Tout le monde les veut en ce moment, mais tout le monde veut les Valentino, bien sûr. Mais après, il faut avoir le budget. Question qualité, nous sommes vraiment au top du top. C'est super bien fini. Tous les détails de cuir, la semelle, la chaussure, super confort. Celle-là, elle est plus belle. Ah, elle est plus belle. Et regarde le talon. Elle est plus belle. Ah, beige. Oui, elle est plus beige. Effectivement, là, on est sur un escarpin. Là, on est sur un talon confortable, couleur camel. Et ici, chérie, je te la prends avec un bout et c'est quoi pointu. Ça il y a une qualité exceptionnelle. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et ceux qui sont des chaussettes, vous pouvez les prendre. Oui. Et sinon, vous pouvez commander votre taille. Mon petit chat. Voilà. Tiens, tu vas me donner tes petites affaires. Est-ce que tu veux garder ça? Oui. Hop. Si tu veux, toi. Tiens, avance. Aïe. Et notre favori suivant, c'est tout simplement un événement qui est arrivé dans notre vie ces derniers temps. Figurez-vous que dans notre parc, parce qu'on a une forêt, on a un parc, on a une biche qui vient nous rendre visite devant notre maison à la nuit tombée le soir. Alors j'ai eu l'occasion de la filmer vite fait avec mon iPhone. Il y a plein de fois où j'ai raté le coche parce qu'elle partait en courant. Des écureuils, des lapins, des biches, enfin on a plein de choses. Et alors ce qui est rigolo, c'est que cette biche, je crois que c'est toujours la même, elle vient nous rendre visite devant nos fenêtres. Elle est belle. Elle est belle la biche. C'est une belle biche, je pense qu'elle est jeune. Et je sais pas pourquoi, mais je la sens attirée par la piscine. Alors elle veut boire. Bah ouais, je me suis demandé si elle voulait pas prendre la piscine comme un point d'eau. Et pourquoi elle se retrouve dans ses favoris? Bah parce que tout simplement je trouve ça hyper romantique. Et en plus elle est belle. Et elle est belle, c'est une jolie biche. Je trouvais ça très princesse. Voilà pourquoi cette biche fait partie de nos favoris aujourd'hui. Alors tu crois qu'on va la revoir la biche, Romy? Oui. Favori suivant, et c'est encore deux cadeaux que m'a offert la directrice de Sephora Caen, parce que j'ai ces deux filles en cours de piano. Donc chaque Noël et chaque fin d'année, elle m'offre des cadeaux, mais je suis limite gênée à chaque fois parce que franchement le prix des choses c'est terrible. Elle m'a offert cette palette Huda Beauty, c'est la Mercury rétrograde. Et ça, waouh! Quand j'ai ouvert la palette, j'ai juste fait pouf! On a envie de se maquiller avec. Ouais, on a envie. Est belle. La perfection dans une palette des couleurs nude. C'est trop beau, même le vert. Et le deuxième cadeau qu'elle m'a offert, c'est le sérum de jour Day Serum C Firma de
Drunk Elephant, c'est la marque à la mode. On peut l'ouvrir? Oui, boum, tourne et ça sort. Et après, voilà. T'as plus qu'à appuyer. N'appuie pas parce que ça va faire chploche. Et il va y en avoir partout sur la caméra. Pour vous dire, je pense que je l'aurais pas acheté de moi-même, hein, clairement. Mais heureusement que j'ai des parents d'élèves de qualité. On va le remettre dedans, mon chat. J'ai chaud, maman. Oui, t'as chaud, mon amour. Allez, c'est la pause Romy favori. Je trouve que la caméra, elle est dégueulasse. Oh! Et c'était. C'est une Barbie. Poupée favorite. T'en as une autre? Ouais, d'accord. Celle-là, c'était pas la mienne quand j'étais petite? Oui. Je t'ai tout filé. Parce que ça se voit, les visages sont différents selon les années, vous voyez? Celle-là on voit que c'est la plus ancienne. Et celle-là, elle est plus récente. Les cheveux sont moins beaux. Ouais, les cheveux, ils sont plus vieux surtout. Elle, je l'ai eu à Noël. Maman, elle me l'a acheté. Ouais. Super! Hey, au revoir! Et on va parler de mon favori pour le linge, c'est-à-dire la gamme Les Gargouilles. Je vous en avais déjà parlé puisque nous à la maison... T'es fatiguée, Minou? T'as faim? Nous à la maison, on ne fait la lessive qu'avec ça. C'est-à-dire que ça fait déjà presque un an qu'on n'a pas acheté de lessive. C'est papa qui fait la lessive, moi je la fais jamais. Il met deux boules comme ça, mais ils m'ont envoyé le sel détachant. C'est un sel détachant écologique et biodégradable. Il marche très bien. Là, j'ai mis toute ma literie à laver à 90 degrés. Ça avait vraiment enlevé toutes les taches. Donc, le sel détachant est très efficace. Ils m'ont envoyé également cette eau florale de lavande. Moi, ce que je fais pour m'en servir, c'est que je fais mon repassage. Et une fois que j'ai ma pile de linge repassée, je pchite 3 doses sur le linge et ça sent bon. Et avec ce que je vous ai montré, ils m'ont envoyé aussi des boules de séchage. Alors, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est et comment on s'en sert, je vous montre ça. J'ai pas étudié la question encore, mais ça va bientôt venir. Mais non, t'aimes. T'aimes aussi. Ah, je t'ai mis du rouge à lèvres. Ça tire un peu. Beaucoup. Beaucoup passionnément. C'est derrière que c'est emmêlé. Oh, on dirait des locks, Romy. Pourtant, je les ai fait hier, tes cheveux. Favori suivant, je vais vous parler d'un compte TikTok. Quoi? Il pourra jouer un peu Yoshi. J'ai dit, t'auras 30 minutes de Yoshi si t'as été sage toute la journée et que t'as fait tes cahiers de vacances. Un compte TikTok qui s'appelle Monsieur TikTok Poff. Oui, Monsieur Poff, j'adore. Si un beau jour on vous traite de raté, répondez qu'il est fort ironique de critiquer la Joconde quand on a une tête de Picasso raté, fils de... En fait, pourquoi ça a un rapport avec nos favoris château princesse? Tout simplement parce que son personnage, c'est celui d'un gentleman, sauf que c'est un gentleman un peu décalé. Surtout, si un jour, quelqu'un vous dit que vous êtes un imbécile, ne le prenez pas contre vous. Prenez-le contre un mur. Et c'est très rigolo parce qu'en fait, il parle façon 17e, 18e siècle. Si un beau jour, quelqu'un insinue que vous êtes bête, ne répondez rien. On évite de tenter de corriger le Larousse quand on fait 3 fautes d'orthographe à son propre prénom. Et alors, je me suis rendu compte qu'il avait commencé sa chaîne YouTube. Si quelqu'un vous trouve moche, étudiez donc son visage. On ne juge pas du Mozart quand on chante du Patrick Sébastien, espèce d'enc... Il n'y a que 3 vidéos pour l'instant qui sont disponibles sur YouTube, mais pour ceux qui sont pas trop sur TikTok ou qui n'aiment pas forcément le support, vous pouvez le retrouver en fait sur sa chaîne YouTube. Je ne suis pas d'un naturel vulgaire. Mais si tu oses t'en prendre à mes confrères, ou me faire un coup bas par derrière, alors, bien cordialement, va niquer ta mère. Franchement, il a fait une vidéo, il avait déjà 75 000 abonnés. Vous savez, je suis tellement une personne pacifiste que je ne vous répondrai rien si vous m'insultiez. Non, rien. Bah, j'ai besoin de mon souffle pour vous éclater la... C'est là qu'on a envie, nous, de se jeter par la fenêtre, si vous voulez. On raconte que lorsqu'on n'est pas sûr de ce qu'on s'apprête à dire, il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Il est bien plus efficace de fermer sa... Mais franchement, il n'a pas volé son succès. C'est vraiment un mec super talentueux. Il a à peine 21 ans. J'adore Monsieur Poff. Ensuite, et on a bientôt terminé, Romy, on va pouvoir aller manger. Ouais, j'ai faim. On va parler d'un lisseur à cheveux qui est vraiment super cool. Attends bébé, t'es trop pressé. Attends bébé. T'es trop pressé. On va brancher dans le nez. Et il est comme ça, mais regardez-moi comme c'est trop mignonnet dessus.
J'ai jamais essayé ce truc. Mais il faut le brancher. Bah oui, il faut le brancher. Ça chauffe, on peut choisir la température. Il est vraiment trop choubidou. Passe. Hop. Tiens bien ta tête, mon minou. Merci. Donc les cheveux sont guidés ici dans l'espace en plastique gris. Prends les cheveux et on lisse comme ceci. Pardon. On passe les cheveux dans la brosse. Ils sont démêlés et en même temps la chaleur de la plaque ici les lisse. Donc c'est bien pratique. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Oui. Par contre, cette tête en présentation, c'est pas possible. Ça donne pas envie d'acheter ce lisseur, mais pas du tout. On a l'impression que c'est un lisseur qui drogue la personne. Maintenant j'ai les cheveux tout bizarres. Mais non, ils sont pas bizarres, ils sont lissés grâce à notre lisseur de caca. J'ai rien compris avec ça. Moi personnellement, je préfère faire mon brushing traditionnellement, c'est-à-dire avec un sèche-cheveux et une brosse. Mais sérieusement, pour les filles qui sont pressées, qui n'ont pas envie de s'embêter ou qui n'ont pas le coup de main pour faire un brushing professionnel type salon, c'est très bien. Celui-ci, il est à une trentaine d'euros sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. On dirait Annabelle. Mais je la connais même pas. Mais si, c'est la poupée du film d'horreur qui fait peur avec ses grands yeux. Annabelle ? Suite de ses favoris avec des bijoux de princesse. Waouh! Un petit miroir. C'est une boîte à bijoux qui vient du site Cosineur. Ils m'ont envoyé des bijoux qui sont vraiment trop mignons. Regardez-moi tout ce que j'ai eu. Une bague tigre ajustable avec les boucles d'oreilles tigre assorties. Une bague serpent ici qui est ajustable également. Une autre bague dorée ici. Deux petites boucles d'oreilles en forme de cœur. J'ai eu aussi ce joli pendentif avec un W. Ah oui. Et ici, j'avais aussi choisi une paire de créoles dorées. Ouais, mais on peut pas la mettre dedans, mon chat. Ça, c'est du toc, c'est du plastique. Alors que moi, c'est du toc, mais c'est du métal. Bref, c'était quand même choupinou de recevoir cet ensemble de bijoux. Après, je ne vous cache pas que c'est totalement du toc. Je pense que très rapidement, avec l'oxydation, ça va devenir, bah, toi-même tu sais. Et on termine ses favoris avec une dernière chose, ce sont les pivoines de mon jardin. Vous allez vous dire, mais waouh, ce sont des fleurs. Bah ouais, mais ça allait très très bien avec nos favoris princesses. Ça va. Mes pivoines, elles sont trop belles. J'adore cette fleur. En plus, ça sent super bon. Donc, c'est mon dernier favori pour aujourd'hui. Et voilà mon favori suivant, regardez-moi cette beauté. Ce sont des pivoines qui sont en train d'éclore, elles sont juste magnifiques. Et j'en ai un deuxième bosquet juste ici. Alors on est vraiment au début de la floraison. On a les branches qui commencent à plier sous le poids de la fleur tellement elle est énorme. C'est magnifique. Ces fleurs, c'est juste des merveilles de la nature. Bon Romy, je crois que cette vidéo est à présent terminée. Qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Et voilà, cette vidéo est terminée avec maman. Et on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Salut! Salut!